Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous faire une toute nouvelle vidéo. Alors ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, voilà. Enfin c'était quand même, c'est pas, bah, désolé quoi. Donc aujourd'hui je vais vous faire une toute nouvelle vidéo sur un jeu de PS3, un jeu que tout le monde aime bien. C'est un jeu d'aventure que vous devez tous connaître. Je vais vous le faire montrer dès maintenant. Tomb Raider. Alors c'est l'avant-dernier Tomb Raider, et le dernier sorti sur PS3. Alors il y a un nouveau jeu Tomb Raider qui vient de sortir sur PS3. Alors, je ne connais pas vraiment le jeu, mais je sais que sur le jeu est un peu plus sombre que celui-là, et il y a une lune, enfin c'est un peu plus comme une équipe, une éclipse, le soleil plus la lune qui forment un petit croissant. Et c'est le dernier jeu qui est sorti sur la PS4, mais pas sur la PS3. Donc si vous voulez jouer au dernier Tomb Raider, je vous conseille d'acheter la PS4. Alors je vais vous parler de Tomb Raider. Tomb Raider c'est un beau jeu comme vous voyez. Alors bien sûr je peux vous faire montrer l'arrière du jeu, voilà. Alors je vais vous décrire un peu. Alors bien sûr je vais juste vous dire un truc, c'est que Tomb Raider, celui-là qui vient de sortir, qui est sorti bien sûr en 2013, et il a été élu comme le meilleur jeu de l'année 2012. Le jeu du salon, c'est marqué juste là. Voilà. C'est très bien, c'est un jeu extraordinaire. Je l'ai testé, en tout cas, je l'ai fini en 4 jours. Il est formidable, franchement. C'est vraiment magnifique comme jeu. Et moi je vous conseille de l'acheter, ceux-là qui ne l'ont pas encore testé. Je vous conseille de l'acheter sur PS3. C'est vraiment magnifique. Après je ne sais pas s'il est sorti sur Xbox 360. Après je vous conseille d'aller voir sur les sites DCCash, Micromania ou comme vous voulez. Je vous conseille d'aller rendre visite à ces sites-là pour voir s'il est sorti sur Xbox 360. Bien sûr, moi je me suis pas encore renseigné, voilà. Donc voilà, mais en tout cas je vous conseille de l'acheter Tomb Raider car c'est un beau jeu. Alors bien sûr il y a marqué déconseillé au moins de 18 ans. Enfin moi je vais vous dire la vérité, moi j'ai bientôt 16 ans. Je m'en fous totalement des PEGI, je m'en fous totalement. Moi tant que le jeu est très bien et qu'il m'amuse, c'est le principal. Donc voilà, voilà quoi, je sais pas quoi vous dire d'autre. Bon, je peux vous dire bien sûr les marques qui, enfin les entreprises qui l'ont créé. Alors il y a Square Enix, Crystal Dynamics, Eidos, après Nix, Bang Video, après c'est... Après les deux autres marques c'est plus pour les DVD. Alors voilà. Après vous pouvez jouer en ligne dessus. Bien sûr, c'est déconseillé au moins 18 ans. Donc bien sûr il y a des mots grossiers et la violence. Bien sûr. C'est un peu normal. On voit directement sur Lara Croft qui est ici avec son arc. Alors bien sûr vous allez avoir... Je vais pas vraiment vous spoiler le truc, mais vous allez avoir deux arcs. Le premier ce sera en bois tout pourri. Alors bien sûr il est quand même puissant, tirer plus dans la tête ça tue directement, sinon vous allez vous faire apparaître, ce sera mort. Et après le deuxième arc que vous allez avoir ce sera un arc en fer. L'arc il est extraordinaire et hyper bon. Après au bout d'un moment quand vous allez jouer vous allez gagner, vous allez débloquer des armes, voilà et tout, voilà. Après vous avez des munitions à récupérer, voilà. Donc voilà quoi. Donc c'est tout ce que je peux vous dire, voilà. Donc, voilà quoi. Bien sûr c'est du Blu-ray, donc voilà. Bon je vous dis à plus et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, ciao.